Sir, I have myself full confidence that if all do their duty, if nothing is neglected, and if the best arrangements are made, as they are being made, we shall prove ourselves once more able to defend our island home, to ride out the storm of war, and to outlive the menace of tyranny, if necessary for years, if necessary alone. At any rate, that is what we are going to try to do. That is the resolve of His Majesty's government, every man. That is the will of Parliament and the nation, the British Empire and the French Republic, linked together in their cause and in their need, will defend to the death their native soil, aiding each other like good comrades to the utmost of their strength. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender. And if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it were subjugated and starving, then our empire beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, carry on the struggle until, in God's good time, the new world, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old. Non, vole pas, non, plane. Ouais, je sais. Du coup, je prendrais le homard au menu. Ouais, bon, par contre, je sens qu'on va crever. Non, tranquille. Bon, on a deux atterrissages à peu près à 2 km. Et le problème, c'est que dans les airs, 2 km, ça passe très vite. Donc je pense qu'on a un peu foiré le largage, mais c'est pas grave. Bon, on va essayer de faire des manœuvres de contournement. Bienvenue dans les emportés. J'espère que vous avez pris des sacs, hein, les gars, parce qu'on va vomir. Oh, je vais me tomber dessus là. Pourquoi je vois le sol? Je pense on a foiré le largage, mais c'est pas grave. Pourquoi on voit le sol? Parce que c'est juste en dessous. Putain, on va atterrir dans la ville. Bonjour à tous. On va atterrir dans un restaurant, on va aller manger un coup. Bonjour. On va tomber, il y a un Allemand, il va draguer une Française. Ouais, t'inquiète, ouais, vous savez que c'est pas un missile qu'on a, hein. C'est un avion. Oh. Enfin, arrêtez de parler, on a porté de voix là. Ouais, c'est un genre, fallait que le... je vous dise. Oui. Vous êtes le plus grand serveur que j'ai vu de ma vie. Et il est beau le pont. On passe au-dessus de la ville, t'entends pas. Je pense j'ai complètement foiré le largage, mais c'est pas grave. On dira rien, mon lieutenant. C'est dur à piloter cette merde. On a plus de puissance, c'est un vrai. On est quand même la seule section à piloter le plaisir nous-mêmes. Hein. La vidéo c'était plus stylé. Hein. Oh, attention, on tombe là. Faites contrôle Windows, équipement, accessoire. Ok, bougez plus. On peut arrêter la ASMR. Voilà, c'est bien ma carrière. Ok, écoutez-moi. On va s'approcher du pont discrètement. Et dès que je vous le dis, on attaquera rapidement, vite et fort. Ok? Vous retenez ces phrases, vite et fort, enfin ces mots. Ok? Ça veut dire quoi, vite, chef? Dès qu'on a pris cette partie du pont, moi et 4 mecs, on va prendre l'autre partie du pont pendant qu'on se fera couvrir par le reste du groupe. Ces 4 mecs en question seront Jorgen, Michel, Erwan. Non, papa, je vais pas tarder à y aller. Et Samuel et Varen alors. Toi, tu restes là. Erwan, je suis où? Ok. Je suis là. Allez, on y va. Ouais. Maintenant.
Baissez-vous. Vas-y. C'est qui fait noir. Bunker. Il y a des mecs près du bunker. Restez planqués. La Brenne, viens ici. Oh putain, tirez. Allez, on y va. J'ai besoin du groupe d'assaut. Les autres, couvrez-nous, on attaque de l'autre côté, allez. C'est quoi? Grenade. Ça va? Ok, vous restez ici, vous me sécurisez cette partie du pont. Je propose de retourner à l'MG. Hein. Bah fais ça. Je vais aller voir les autres. Vous là-bas, restez de ce côté du pont. Ne montez pas sur le pont là, parce que comme il y a eu une explosion, ça a pété le pont, tu vois ce que je veux dire. Il faut monter sur le côté si vous voulez nous rejoindre. Vous restez de ce côté-ci, vous trouvez des armes pour défendre ce côté-là, ok? Monsieur. Ok. Ça va? Samuel? Ouais, ça va. Ok. Je vais faire un peu de soin. Ouais, ça va. Bon, pour éviter de marcher dans des trous sur le pont, si tu vois ce que je veux dire, comme ça, faut monter sur le côté. Ouais. Normalement, il n'y a pas de souci, tu vois. En plein milieu, du coup. Ouais, faut pas aller au milieu du pont parce que vous risquerez de vous faire descendre. Ah putain. Attends, il est où le gars? J'essaie de. Non, montez pas au milieu du pont, montez pas au milieu du pont. Restez sur les côtés. Ah. Parce qu'au milieu il y a des petits trous, tu vois ce que je veux dire. On a un mec qui a un petit problème où il est coincé là en fait. Ah bah attends, je vais ça. Ouais, faut monter sur les côtés parce que sur le milieu du pont vous êtes vous tombez dans des trous en fait. Voilà, ici tu vois. C'est que j'ai. À l'aide. Bienvenue dans le monde merveilleux du modding. Ok, donc vous montez pas au milieu du pont, d'accord? Bon, quels sont vos ordres? Vous tenez cette position, d'accord? Vous vérifiez tout ce qui peut servir, vous le prenez. Donc armes, grenades, équipement médical, vous fouillez tout, d'accord? Vous faisiez d'ici une position défensive. Vous pouvez monter là-haut et dans le poste de commande, sans monter ici, parce qu'ici il y a des petits problèmes, d'accord? Ok. Bon, okay, bah déjà essayé les tranchées et un bon. Trouver des armes anti-chair, on sait jamais. Wagner. Bah, j'ai vu, il y a une caisse avec des grenades anti-chair. Wagner. Récupérer des charges, mon lieutenant. Ok, nickel. Ah, c'est dangereux ça de passer au milieu comme ça. Il y a une dizaine de gens. Ouais, je sais. De l'autre côté. Retournez de l'autre côté, on se fait attaquer derrière. Ah merde. Ça se passe ou pas?
j'en ai s'il faut. Ok, voilà. Derrière la tournée. Putain, elle est où la Bren? Aucune idée. La Bren, faudrait qu'elle se foute. Il sait qu'il y en a pas mal qui sont pas ensemble. Ouais, mais je crois qu'il a eu un problème, il est en train de revenir, mais il doit se remater toute la vidéo de la British Army. Oh putain. Ça se passe ou pas ici? Y'a une caisse hein. Ouais, des munitions, y'a des grenades anti-char, tout le bordel. Mais y'a des armes là-dedans. Et y'a même des munitions de Lienfield. Rien pour moi. Nous on peut prendre les chargeurs de MP40 hein, Erwan. Ah ouais, ça fonctionne sur nos armes, ouais. Ok, ok. Au passage, fais attention, la portée elle est ultra limitée. Hein. Ouais, je sais. On a un mec à terre là. Ah non, ok, il est. Non. Ouais, il mange, j'ai rien dit. Il mange sa truc. Allo? Ça? Alors, ouais. Montre un peu. Ouais, ah, oh, c'est pas mal, on réussit. C'est marqué quoi? Ouais, c'est pas mal. Il y a un... Je crois qu'il y a un cadavre d'anglais dans le coin, mais. Je vois que dalle. On voit que ça botte. Ouais, effectivement, c'est un anglais. Y'a. Ouais. Oh putain, y'a le truc pour lever le pont et tout. Le lève pas, hein. Ça va? Bah, surtout, le lève pas. Vous restez sur cette position. J'aimerais quand même qu'un de vous se mette sur la gauche là-bas au niveau du canon et voit s'il fonctionne. S'il fonctionne. Y'a un mec! C'est bon. Voilà pourquoi je veux un mec sur la gauche. Ouais, j'arrive. Ok, je vais demander à Sam. À propos de quoi? À propos de quoi? Pour des soins, là, il y a plein de gars qui ont besoin de soins et on n'a pas assez, c'est trop limité. Tu en es sur moi, attends. Ok, ouais, moi je vais aller au passage aussi. Ok, bah file-moi ton casque. Ok, j'ai tout donné aussi à François. Ok. Tiens. Ouais, la caisse avait pas mal de grenades anti-char. Et j'ai des pansements ici. Bah, moi il m'en faudrait un, super. Je vous passe tout ce que j'ai sur moi. Tiens, j'ai peut-être un chargeur en plus pour toi, François. Ah. Essayez de rassembler les armes et tout là pour qu'on garde un maximum de munitions et d'armes. Et moi maintenant je vais partir de venir assez stylé, tu vois. Regarde. Bah non, j'ai encore 26 munitions dans mon fusil. Oh, il y a plein de bandages. Bon, François. Ouais. Tu gères ce côté du pont, je vais gérer l'autre côté. Bon. Attends, j'ai un pistolet à flare si jamais, je vais le charger avec le flare rouge et je l'envoie si jamais on est dans la merde. Ouais, vas-y, ok. Ouais, vas-y. Bon, je sais pas à quelle heure ils arriveront, hein. On tient un maximum. User left your channel. Reçu mon lieutenant. Véhicule transport. Transport ennemi. Ouvrez le feu. Maintenant. T'endors pas hein, là-bas, hein. On a besoin de toi. Ouais. Ouais, mais c'est un vomi et tout ça à cause du hors-sol là, c'est marrant. Mais... C'est clair. Ok. Ah, mais t'endors pas quand même, hein. S'il faut vomi dans ton casque ou vomi à côté, je sais pas, mais t'endors pas, j'ai besoin de cette mitrailleuse. C'est une des voies prioritaires ici.
sur un tenu. Si on est submergé, on se repliera de l'autre côté, d'accord? Ok, mais Et s'il faut, on se repliera près du Orsa. Même si... Ah ouais. Des munitions? J'ai demandé. Moi j'ai 10 chargeurs. Ok, bah quand je reviens, je veux avoir l'inventaire des munitions de ce côté. L'inventaire des munitions et des moyens anti-char mis en œuvre là. On a un piat et plusieurs grenades. Ok. Bon, si nous on se fait submerger, on se replie de votre côté. Et si vous faites trop péter la gueule, on vient de votre côté, ok? Ok, j'ai une charge sur moi actuellement pour le rap. Ok. Bon, faites je attention. Je sais pas où est passé l'ingénieur. Je sais pas, il a dû se faire descendre à mon avis. Ok. Il te reste encore des munitions? Ça va. Attention, il y a une caisse d'armes pas loin. Ok, ouais. S'il faut récupérer du matériel allemand. Hein. Ouais, compris. Artillerie! M'entendez? On a besoin d'aide ici. J'ai commencé à manquer de munitions. Bon, je garde mes deux chargeurs pour si repli. Ça vient tout près. On se replie de l'autre côté. Repliez-vous. Ils ont besoin d'aide de l'autre côté, on doit les aider, allez. On se replie de l'autre côté, allez. Non, justement, le rouge c'est qu'on se replie d'où? Non, on doit venir vous aider, on peut pas perdre ce côté là. C'est là où on a notre planeur. Laissez-le approcher, planquez-vous et laissez-le approcher. Restez dans les tranchées. Il est détruit ou pas? J'ai pas de balles, j'ai abandonné le trépied, putain. Retourne de l'autre côté, prends Jürgen avec toi, retourne de l'autre côté. Jürgen. Appelez-moi Binou, Jürgen. Binou. Tu vas avec lui de l'autre côté. Il y a un char. On se replie. On se replie. Samuel. Samuel, ce qu'on va faire, ouais. on peut pas tenir, faut se barrer. On doit se barrer d'ici, ils sont partout, on tiendra même pas la position du canon, en plus il y a un putain de chat. Il va falloir essayer de se replier de l'autre côté. On s'en fout, il prend trop de temps à tourner de toute façon. Bah t'es pas détail. Non, trop tard, on y va, on se casse. Non mais il est même pas prévu pour tirer dans ce côté là, la position est merde. Nada, ouais, il est chiant. Ouais. Ok, sortez du pont vite avant que le fumée casse l'effet. Oh là, oh, qu'est-ce qui se passe? On s'est replié, il y a un Panzer 4. Ouais, tu veux que je pose ma charge ou pas? Pose-la ici là. Ok. On attend qu'il traverse, planquez-vous dans les tranchées, éliminez l'infanterie et restez à couvert. On a perdu l'autre côté du pont, on peut pas rester comme ça les gars, il faut nimer une charge. Allez, restez à couvert. Quel bordel. Ryan, vise l'infanterie. Empêchez l'infanterie de passer le pont. Ils vont profiter de la confusion pour essayer de le traverser. Allez, défendez sur du pont là. On n'a pas fait tout ça pour rien. Je vais prendre ma ration. Vas-y, fais ça. Binou. Ouais. Binou, moustache. Ouais. Vous m'aidez à traverser, les autres, vous couvrez notre avancée. La Bren se positionne.
Allez, couvrez-nous. Allez, Mignou Moustache avec moi. Saute sur la droite, saute sur la droite. Je suis blessé, moi je me soigne. Vas-y, soigne-toi. Tant qu'on est de l'autre côté, c'est bon. Je lance une grenade. Allez, on reprend le pont là. On lance une grenade. Couvert. On y va. Non, on y va pas alors. Ah, mais je sois. Ok, on y va, on reprend la position du flak. Allez. Sur notre droite. Faut couvrir la route. Alors putain, il faut une grenade sur la route. Ok, j'enchaîne. Grenade. Ça, c'est la grenade qui a fait ça? Ouais, c'est des grenades phosphore, ça. Ah, j'en ai pris une. Y'a un mec avec une MP40 juste derrière le H-track. Oh, il fait des moves de fils de pute, celui-là. Ouais, t'as vu. Ah, y'en a un qui arrive, il nous rush. Vous avez vu? On voit rien dans la fumée là. Ouais, mais au moins ils passeront pas à la fumée. C'est vrai que c'est de la fumée qui pique du coup. Il y en a la tranchée. Oui. Ouais, je le vois, y'en a un qui essaie de rentrer dans la tranchée là. J'en ai plus une. T'as pas de soin? On est un peu à court là. Y'en a plus dans les buissons là, balancer une grenade s'il vous plaît. J'en ai pris une deuxième. Oui. Alors avec des grenades de phosphore, les autres ils ont pas de... Ils sortent de l'eau. Quoi? Comment ça ils sortent de l'eau? Y'en a qui sortent du fleuve. Y'en a qui sortent de l'eau comme si c'était de l'eau. Ils savent nager, faites gaffe. Merde, y'en a là. Ils ont des masques. Tout c'était pile ou quoi? Oh là-bas y'en a plein là. Je vois pas, ok. Comment ça fait? Bon, il est mort. On l'a tous. Ok, surveillez au niveau des jardins à gauche.